Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous souhaite bienvenue. Dans le tutoriel jeudi, nous allons voir qui Jean nous capable de déployer Lamp Stack. Qui ça qui Lamp Stack? Lamp Stack c'est un ensemble de logiciels qui est gratis, qui est open source. Que vous capable mettre ensemble pour créer un serveur qui a permet tout faire site web et développer application web. LAMP c'est un sigle, ça relé acronyme en anglais qui veut dire Linux, Apache, MySQL et puis PHP. L donc Linux c'est système d'exploitation dans cas nous on a utilisé Ubuntu 18.04 LTS. A veut dire Apache qui c'est serveur web là. M veut dire MySQL ou MySQL qui c'est système qui a géré base de données relationnelle. Et finalement, nous gagnons P qui c'est PHP qui c'est langage de programmation. Un serveur là pas exigeant du tout en termes de ressources. Ou qu'à déployer sur n'importe ordinateur, soit dans ça qui moins performant ou dans ça qui plus performant. Donc, ou t'as supposé capable de faire tutoriel ça sans problème. Donc, installer serveur en plan sous n'importe ordinateur ou laptop que vous gagnez dans un coin la carreau qui pas réglé en rien, donc ou pas utiliser. Moi-même, moi pour installer sur une machine virtuelle. Ça qui est bien important dans le tutoriel ça, c'est que n'a créé machine virtuelle là ensemble. N'a installé système d'exploitation et puis pour nous finir, n'a déployé Lamp Stack sous serveur. Ou même qui pourquoi abonner à la chaîne, courir faire ça gonia ou même qui abonné déjà. Rite la pas bouger, m'a tourné gonia. Et voilà mon retourné. Là, moi sous yon autre VMware ESXi 6.7 qui c'est ça yon relé yon hypervisor. C'est sous lui mon pas créer machine virtuelle. Moi pas parler de virtualisation dans tutoriel ça, si c'est un bagage qui intéresse ou moi gagne une série complète que moi fait déjà sur ça. On met cliquer sur le lien qui paraît kounya en l'air pour capable à regarder. Tout ça nous pour le faire aujourd'hui là, nous pour le faire en ligne de commande. Moi connais que nous pas mettre travail avec ligne de commande, c'est pas seul nous, moi pas aimer le tout, mais les plus simple, les plus rapide et puis tout, des pour gagne interface graphique, c'est que on a besoin plus ressources. Pas blême de dire que lamp pas mal d'un peu ressources, donc nous pas utiliser interface graphique parce que nous pas vraiment besoin li. Donc ça fait que n'importe petite machine nous gagne, l'a capable rouler sous lui sans problème. Pas inquiétez nous, tout comme vous utilisez yo, dans un fichier que vous êtes capable de télécharger. Vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo. Pour nous créer une machine virtuelle là, nous avons cliqué sur Create Register VM. VM qui veut dire Virtual Machines. Nous avons cliqué sur lui. Là, nous déjà gagné créé une new virtual machine qui sélectionné. Nous avons quitté lui, nous avons fait suivant. Nous avons une machine non nom puisque moi dit c'est Lamp Stack nous allons l'installer. Donc nous avons pris Lamp Stack. Compatibilité, on va quitter le comme ça. Guest Operating System Family, c'est à nous pour choisir qui système d'exploitation on va utiliser. Dans le cas, on a déjà dit que c'est Ubuntu. Donc, on a cliqué sur Linux. Et puis, on a choisi Ubuntu. On a pris Ubuntu 64 bits. Voilà. On a fait suivant. On a choisi qui côté on a mis machine virtuelle. Ça. Guest Storage principal, là, ça. On a cliqué sur lui et on a fait suivant. On choisit qui quantité CPU vous voulez bail, qui quantité mémoire. Je me dis non, système ça pas demandé en pile ressources. On va nous compte par défaut que ESXi est en bali, yon CPU, li bali yon giga mémoire, li bali yon disque 16 giga. C'est un moto que l'a installé sans problème sous lui. Moi même comme moi j'ai assez de ressources, m'ka dit m'a bali 2 microprocesseurs, m'ka dit m'a bali 2 giga mémoire, m'ka dit m'a bali yon disque 20 giga. Ma vina nan CD DVD drive c'est là m'va chercher ISO système d'exploitation. Pas inquiété ou même on capable aller directement sur site Ubuntu, juste faire recherche taper Ubuntu ISO et puis là ça bon lien qui permet de télécharger directement sur site Ubuntu. Donc là moi déjà gagne ISO que m'te mettre dans storage ça, m'a juste cliquer sur Ubuntu servers, voilà 18.04. M'a fait sélectionner et voilà et m'a fait next et m'a dit terminé, finish. Donc, je vais aller dans la machine virtuelle. Je vais regarder là, je vais cliquer sur lui. Et voilà, je suis capable de démarrer la machine virtuelle. Moi. Pour me faire ça, je vais cliquer sur Power On. Je vais cliquer là pour me sortir avec la console. Là.
Voilà, donc nous prenons pour nous commencer avec installation Ubuntu sur machine virtuelle nous. Donc ça m'a fait, m'a choisi langue par défaut, m'a rien problème, m'a choisi anglais, donc m'a fait entrer. M'a quitté tout ça par défaut, layout keyboard là, même bagarre là. Là, il prend une adresse IP automatiquement dans mes serveurs DHCP maintenant, donc c'est 192.168.18.92, donc m'a quitté comme ça, m'a dit done. Et puis là, m'a bagué proxy, donc m'a utilisé done toujours. Ça c'est miroir côté pour lui faire mise à jour de Ubuntu, donc m'a pas changer ça, m'a quitté comme ça, m'a fait suivant. Il m'a dit est-ce que le maître utilise tout disque là, m'a dit oui, le maître utilise, m'a dit use an entire disk, donc m'a pas appuyé sur entrer encore. Sous qui disque pour l'installer, le maître dit c'est même disque là, donc 10-20 giga que me débaille là, m'a pesé entrer encore. Liban file système là, est-ce que je suis d'accord, m'applique sur done, m'a donc m'a pesé entrer. Puis là, il dit me confirmer que moi voulais détruire tout ça sur disque là pour lui appliquer changement ou bien file système que il te montrer. M'a dit continuer, donc m'a pesé entrer. D'abord moi descendre sur continue et m'a pesé entrer. Là, il m'a dit qui non monde qui utiliser machine, m'a appelé le Tekken Plus. Il m'a dit non serveur, m'a dit Lampstack, tire stack. Il m'a demandé mon nom utilisateur, m'a appelé le TNP. Il m'a demandé mon mot de passe, m'a écrit PAO33WORD. P majuscule AO33WORD. Voilà. Donc, il m'a fait tab, quand même dans donne et m'a pesé entrer. Là, il m'a demandé est-ce que il met installé OpenSSH server sur machine. Puisque le machine ça fini, m'a gain pour me connecter sur lui avec un programme qui est le PODI. Donc PODI justement c'est un client SSH, donc m'a besoin faut que serveur ait OpenSSH sur lui qui est installé pour me capable utiliser lui. Donc m'a pesé spacebar pour le checker lui, ça cap dit oui, il met installé et il m'a fait tab, me fait tab encore et me pesé entrer. Là, il m'a demandé est-ce que dans package ça m'a gain que me veut installer, pas gain là-dedans là qui intéressé moi. Donc m'a fait tab encore qui pour aller sous done et m'a pesé entrer et aussitôt installation Ubuntu a commencé. Comme l'installation a pris un petit temps, m'a fait vidéo aller plus vite et puis l'installation finie, m'a retourné pour nous capable continuer. Là, il a téléchargé et installé mise à jour de sécurité. Si vous même voulez, vous capable toujours annuler mise à jour ça ou démarrer serveur là ou même faire mise à jour là après. Mais moi-même m'a quitté lui continuer avec mise à jour là, m'a fait vidéo aller plus vite et puis là il fini, m'a retourné pour nous capable pour démarrer serveur là. Voilà, il fini avec mise à jour là, donc il m'a demandé est-ce que il met redémarrer. Pour moi dit oui, m'a pesé entrer. Ça qui a pour démarrer serveur là. La demandé pour me retirer ça que moi t'ai utilisé pour me faire installation, image ISOA ou bien DVDA ou bien clé USB. Dans cas pour là ça t'ai utilisé à retirer, moi plus que me pas mettre rien autre que une image ISO, m'a juste pesé entrer et puis la retirer pour contrôler. Voilà, ça veut fini de démarrer. Même si vous avez un message ça, pas inquiété, sous président vous avez toujours un espace pour login. Vous avez juste entré dans l'utilisateur. Moi-même, je suis capable de mettre TNP. TNP. Entrez. La demande de mot de passe là, c'est P majuscule AO33WORD qui veut dire password. Entrez. Et voilà, là, moi connecté sur serveur Ubuntu. Une bagarre que moi fait, c'est connecter sur serveur ça avec PODI pour me capable mieux travailler sur lui. Et ça fait moi t'ai installé Open SSH server. Si vous pouvez avoir PODI qui est installé, donc l'important pour installer lui, allez sur ninit.com pour installer lui ou bien vous capable juste faire recherche sur Google, taper PODI sur Google et puis la bon lien capable de télécharger et installer. Donc installation rapide et facile, donc pas besoin de montrer nous qui j'ai pour nous faire lui. Je vais juste qu'on y a entré adresse IP serveur qui c'est 192.168.18.92. Je vais peser open. La demande pour me valider clé ça, donc je vais dire oui, je vais faire clé à confiance. Je vais me taper TNP encore. Je vais entrer mot de passe là. PAO33WORD. Entrer. Et voilà, là, je suis connecté sur le serveur là. Je vais fermer la console par VMware SXI là. Je vais fermer le. Et voilà, je vais gagner un PODI que je suis capable de travailler avec le serveur LAMP Stack Noir. Pour qu'on ait pour conserver LAMP, c'est seulement un serveur Ubuntu. Si vous ne pouvez pas avoir adresse IP machine pour là,
t'aime nettoyer écran pour nous capable voir ça m'a dit non voilà si vous t'avez voulez adresse IP pour là ou juste faire if config comme commande vous pouvez entrer et le ça on prend nous compte que adresse IP a li là donc dans inet là ça c'est adresse IP a. OK donc là une ba moi me faire c'est changer mot de passe route là parce que me besoin connecter avec utilisateur route là mais kounya là pas quitter ça parce que me beaucoup autoriser connexion ça d'abord une ba m'a fait c'est changer mot de passe là pour faire ça m'a taper sudo P A S S W D la prendre pour montrer mot de passe actuel là m'a rentré lui P A O base 33 W O R D m'a fait entrer c'est même mot de passe à rentrer encore parce que m'a pas vraiment voulu changer lui m'a confirmé P A O base 33 W O R D entrer et voilà il dit que mot de passe l'a changé avec succès pour autoriser connexion avec utilisateur route là. Nous avons l'autre commande nous pour l'entrée qui est plus longue. Commande ça, mais lui-même c'est sudo sed-i apostrophe s slash jazz permit root login prohibit dash password slash permit root login et puis on dit oui pour l'autoriser root login là. Et puis on ferme apostrophe là et puis on mette qui côté la joindre fichier pour le modifier à fichier de configuration serveur open ssh là qui dans folder etsy slash ssh et puis slash mes fichiers. Donc pas de problème, j'aimerais dire nous tout commentaire en bas dans la description tutoriel là. Une fois que je fin taper, m'a pesé entrer. Voilà, une fois que le boss ça c'est que c'est commande d'entrée sans problème, si tu gagne ou tape tout ça, pour y a ça ou pour faire c'est redémarrer service SSH là. Pour me faire ça m'a taper sudo service. Moi dit qui service, moi dit SSH restart. Voilà et me fait entrer même j'ai tout service en redémarrer. Ma vin là dans port d'Irunia, m'a fait clic droit, m'a dit duplicate session, ça fait que connecter sous même adresse IP là. Et m'a dit root fois ça comme utilisateur et m'a montré mot de passe là m'a changé tout à l'heure p a o base 33 w o r d ou même m'a mettre mot de passe ou te mettre m'a fait entrer et voilà qu'on a me connecté en tant que root moi qu'a fermer ça moi dit oui qu'on a me agrandir ça pour nous capable pas obligé à entrer sudo chaque fois. L'autre bail qui est important pour nous faire c'est faire mise à jour serveur là même si mise à jour l'ont été faite elle définit installé là il était installé mise à jour qui est important yo. Mais il faut installer mise à jour qui est nécessaire mais qui n'est pas vraiment obligatoire. Donc pour nous faire ça nous-mêmes, nous avons tapé commande ça apt update end end apt upgrade et puis tiret y. Nous avons fait commande en deux étapes. Nous avons d'abord tapé ça apt update. Ça a fait que la vérifier tout fichier qui besoin mise à jour. Et puis là, il est fini, je vais taper upgrade. Là. Mais si vous voulez mettre tous deux, non seul commande. Là, il dit que j'ai 49 packages. Qui a upgrade. Donc, c'est simple, je vais taper apt upgrade. Comme je vais vraiment dire, est-ce qu'il m'a continué? Donc, je vais tout dire, direct Y qui veut dire oui. Et voilà, il n'y a pas de demander, je vais juste contenter le 2, faire mise à jour et upgrade package qui mérite upgrade. Comme il était en fait plus fort mise à jour, donc il va supposer prendre un pile temps pour mise à jour ça. Moi, je m'a juste fait ça aller plus vite pour ne pas perdre du temps dans la mise à jour. Là. Voilà, mise à jour l'en fini. Gémon, généralement, les mises à jour l'en fini qui ont démarré la machine. Là. Mais pour généralement, on serveur Linux, ce n'est pas vraiment important. Le libre besoin pour redémarrer, l'abdou ça. Donc, depuis qu'elle n'a pas ça, c'est qu'il n'est pas vraiment nécessaire pour obliger à redémarrer. C'est que tout le bagage patch pour directement, sans problème. Ok. Kounye a serveur après pour recevoir reste application yo, ça ka vin transformer en un serveur lamp. Pas oublier là seulement ça nous installer c'est elle là, Linux. Donc c'est Ubuntu seulement nous installer. Donc nous était pour installer Apache, pour installer MySQL, pour installer PHP. Moi t'es capable installer au chaque séparément. Moun ki suit tutoriel moi déjà, qui garde tutoriel moi fait sur installation WordPress, qui garde tutoriel moi fait sur installation Nextcloud sur channel là. Ou après nous compte que généralement m'installer au chaque séparément. Mais là, nous allons montrer une méthode qui est plus facile, qui va nous tracer pour installer tous les trois ensemble sans problème. D'abord, nous allons installer un programme qui relie Task Cell. Comme dans c'est apt install. Moi dis c'est T A S K S E L. Qui veut dire Task Selection. Donc sélectionner tâche. Son programme qu'on est capable d'utiliser sous Debian ou bien sous Ubuntu pour généralement installer genre de package ça yo. Ou just deal, mais qui package vous besoin installer et puis l'installer pour. D'abord, on a installé les mêmes, m'a mettre tiré Y parce que librement des messages m'est installé Taxel là, m'a dit oui, m'est installé, on fait entrer
Et voilà, installation commencée et bien vite, installation a fini. Voilà, il est déjà fini là. Pour nous demander d'installer le package dans le plan, moi t'ai qu'à entrer commande ça. Task cell install comment package en relé lamp-server. On tape juste dit le tiré Y, on tape peser entrer et automatiquement il tape tout installer lamp sous machine. Mais moi j'ai besoin ouais tout package que nous commandé Taxel installer pour nous et ça fait ma petite tout ça, m'a m'ap juste quitté commande Taxel là et m'a fait entrer. Et voilà. Là ça c'est Taxel. Tout ça n'a pas gardé là, c'est package que nous capable demander pour l'installer pour nous. Kubuntu Live CD, Kubuntu Live CD, etc. Il y a un paquet qui est installé déjà. Par exemple, le nom qui installé Ubuntu, nous te dit pour l'installer OpenSSH Server. Donc, ça fait la garder les gonds check devant parce que il est installé déjà. Basic Ubuntu Server, nous installé Ubuntu Server déjà, donc il est tout checké. Donc, dans l'ISA, nous dit nous besoin l'AMP Server. Mais l'ISA, nous descendons avec flèche là pour nous arriver devant l'AMP. N'a pesé space bar sur clavier pour nous mettre star là pour nous sélectionner et puis n'a fait tab pour aller dans OK et puis n'a pesé entrer. L'a installé Apache, MySQL, PHP pour nous automatiquement. Voilà, les fini avec installation. Serveur LAMP. Kounya ou gen yon serveur LAMP qui fonctionnel. Donc serveur fonctionnel ou ka commencé créer site web etc. Pour vérifier si serveur fonctionnel, gon ba sen ou al fè. Ou ap juste prend adresse IP serveur a ou tape li nan yon navigateur ko gen. D'abord, faut que nous wè ki sa adresse IP a ye, nous kon s'oublie ou tape ifconfig kap bo adresse IP serveur a pam nan se 192.168.18.92. M'ap ouvri un navigateur. Ma vina, mwen di psendgo et aussitôt ou de bougen pay sa, c'est parce que serveur web ou an, ou bien serveur LAMP ou an, li opérationnel. Dans le prochain tutoriel, m'ap montre nous qui jan pour nous sécuriser installation MySQL ça que nous fin faire, qui jan pour nous créer un utilisateur ak yon base de données et puis installer PHP MyAdmin qui c'est une interface graphique pour gestion base de données ou yo. M'ap tout montre nous tout qui jan ou capable installer dernière version WordPress là. C'est là ma campagne tutoriel ça. Moi pas voulu faire les trop long. M'a dit nous merci pour attention nous. Si vous aimez tutoriel là et vous t'a aimé moi faire deuxième partie bien vite ou compte ça vous fait déjà. Like li, partagez li et puis toujours continuellement des amis ou famille pour aller abonner à channel là. Si vous t'a rencontré un problème pendant faire tutoriel ça, pas hésiter dire ça en bas dans section commentaire là. Et puis m'a fait un point plaisir pour m'aider à résoudre problème ou rencontrer là. C'était Abraham l'espérance de Tech et Plus. M'a dit nous bye bye et à très bientôt pour deuxième partie. Ciao ciao.